Alors, j'avais pas envie de sortir. Du coup, j'ai demandé à mon mototaxi d'aller m'acheter des enveloppes à bulles, tu vois. Parce que ici, tu peux demander tout ce dont tu as besoin. Le mototaxi va, il achète des trucs, enfin, il t'achète des trucs, bref. Et moi, je dois envoyer des trucs de cette taille. Je vais mettre à côté de mon visage. C'est tout petit, tu vois, c'est une petite pochette. Et je dois envoyer aussi une petite GoPro qui retourne chez GoPro parce qu'elle a un problème. Et voilà la taille de ce qu'il a acheté pour moi. Tu vois la taille de ma tête. C'est-à-dire que ça, ça entre là. Et il a dit non, mais c'est pas grave, tu peux couper l'enveloppe. Eh, pour la première fois depuis toute la vie, je vais être seule dans cette maison pendant genre 10 jours. C'est pas un truc de gros bâtard. Complètement seule. Genre seule au monde. Genre il n'y a personne. En fait, Anna elle est partie. Elle est partie en Amazonie. Lucie elle est rentrée en France. Sandra, Lorraine elles sont en vacances et elles reviennent genre début janvier, la première semaine de janvier. Et moi je suis seule. Et je voudrais passer mon Noël seule à la maison, faire rien. Juste être là, seule. Voilà. Je suis sur ma vie seule. Et je veux parler à aucun être humain et passer tout mon temps à travailler. Ah oui, il faut que je te dise, j'ai décidé du coup de réaliser un petit challenge qui est que pendant mes 10 jours seuls, je ne vais pas faire de courses et je vais manger tout ce qu'il y a chez moi. Je voudrais un petit peu vider la maison et m'obliger un petit peu à recuisiner. Je vais essayer de ne jamais commander. On va voir si j'y arrive. Et ça me fera du bien en fait de recuisiner, de faire des choses simples. Voilà. Hey, ça va la famille? On est la nuit, il est minuit. J'ai dû monter à peu près 10 vidéos aujourd'hui. Je suis épuisée. Hey, ça fatigue. Tu sais que j'aime pas trop le montage. Donc voilà, j'ai dû monter à peu près 10 vidéos. J'en ai beaucoup à monter. Et donc là, je vais continuer un peu. Je vais dormir et je vais recommencer demain. Je vais vraiment profiter d'être seule, 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 seule. Pour juste monter. Ok? Je voulais juste te faire un bisou en fait pour terminer ce vlog et te dire à demain. Peut-être, j'espère. Ciao, bisous. De verdade.
mélanger. Je mets tout bas de la mélasse. La meilleure chose du monde, c'est un truc de fou. Bon, en faisant le ménage, je me suis enfoncé une écharpe dans le doigt. Je ne sais pas comment l'enlever, elle est hip, c'est super profond. Du coup, j'ai lu que une technique de grand-mère consistait à mettre la partie où il y a l'écharpe dans de l'eau chaude. Oh là, ça me touche ça. Avec du sel. Ah, ça pique. Il faut le faire pendant 10 minutes. On se revoit dans 10 minutes et je te dis ça marche. En faisant mes recherches par rapport à l'écharde sur internet, je découvre que si tu n'enlèves pas l'écharde en bois, elle est digérée par ton corps. Et c'est pas un truc de ouf. Les capacités du corps humain. Et ça a l'air de marcher. En tout cas, je la vois plus. Elle a l'air de vouloir sortir. Bon, ça n'a pas marché. Du coup, je vais devoir attendre que mon corps ingère le bout de bois. Tu vois? Ça se voit plus déjà.